Nous sommes allés manger dans un kebab. Ouais. On rentre dans le kebab comme tout le monde, on commande. Au bout de deux minutes, le mec, il m'apporte un ballon, il me dit quoi ? Je te le donne. Bah quoi ? Non mais, faut le faire. On va à Paris. On va parler comme ballon, mais on a deux ballons parce que du coup. Voilà quoi ? On va pouvoir manger. Et le type, il regarde. Il donne un ballon. Au calme. En plus, je veux pas dire, mais. Je crois qu'il te suit sur ta chaîne. Je pense qu'il me suit parce que c'est le même ballon que mes tutos. Et le pire, c'est que le mec, il faisait que me regarder. Soit alors. Non, mais il t'a dragué. Il me draguait. Soit il me connaît, mais je pense pas parce que quand même, je suis pas voir ce style ou tout le monde. Mais le mec, en tout cas, il faisait que me regarder. Au bout de deux minutes, il m'a donné un ballon. Alors je vais sur Paris. Je vais, par contre, première fois de ma vie, je vais manger un kebab sur Paris. J'arrive, on me donne un ballon. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires quand même. Ça y est, on quitte l'hôtel direction Paris pour faire des photos et vidéos. Et ouais, gros shooting pour la marque de la LWMBall. Voilà, à suivre, on va faire plein de vidéos, plein de photos pour vous. Attendre devant l'hôtel pour attendre Alan et Marcel. Marcel, ils vont pas tarder, je pense, dans 5-10 minutes. Du coup, on va attendre. On va dans notre voiture, chauffeur privé. Attention, ça rigole plus. Ah, on était là. Ouais, salut, là. Parfait. Hein, comment tu vas? Ça va, t'as tranquille? Oh, nickel. Comment tu vas? Ça va ou quoi? Ça va. Bien dormi, okay, j'espère, les gars. Oh, super, ouais. Merci beaucoup. Ah, trop bien, hein. C'est nickel. J'espère que vous avez bien déjeuné. Ah, ça, ouais. Ouais. Ça... Ah, fallait le poigner. Moi, c'était pas terrible. J'ai trop abusé, je crois. On l'a filmé, mais je crois qu'on a fait trop de conneries aussi. Du coup, là, on va faire le shooting photo. Olivier se prépare, il fait les réglages. On a une belle vue, regardez derrière moi. Je trouve ça énorme. Recoule-toi encore, s'il te plaît. Recoule-toi. Encore. Décale-toi sur ta gauche. Parfait. Quand tu veux. C'est super compliqué de faire un vlog en étant que deux personnes. Avec un photographe et quelqu'un qui fait des vidéos, et moi en étant freestyler, du coup je peux pas faire du freestyle en me filmant, il peut pas faire les photos en me filmant avec deux caméras. Alors on va essayer de mettre au maximum d'images. Et voilà quoi, on continue avec encore des photos et regardez cette magnifique. Mais bon, faut dire qu'on est deux. Mais on s'en sort plutôt pas mal. Voilà. On est deux, on a quand même nos partenaires qui nous suivent derrière. Il y a Alan et Marcel qui sont partis se promener, ils ont préféré nous laisser travailler tranquille. Et voilà quoi. Et parce que du coup, bien sûr, vous voulez quand même le savoir, on n'est pas venu comme ça tout seul. On ne peut pas non plus partir comme on veut quand on veut. Donc là, ils nous ont contactés, puis on est là pour faire leur pub, pour faire de la WNBall, la balle de Tony Streetball. Mais ça, c'est une surprise. Déjà, il en dit ça, un peu trop, mais on va quand même le mettre dans le vlog pour vous. Et il y a plein de surprises à propos de cette balle pour vous, pour les abonnés.
on continue les photos à la Tour Eiffel du coup. Petit shooting à la Tour Eiffel, au-dessus de la Tour Eiffel. Juste là. On continue le vlog. Et on continue aussi le vlog, mais c'est un peu dur, mais on mettra quand même un maximum d'images comme on a dit. Allez, c'est parti, on continue. De nous déposer à la gare pour partir sur Perpignan du coup. Donc on a encore une petite heure d'attente. Même une heure d'attente, ouais, vraiment une heure. Donc une heure pour bien nous reposer, retoucher un peu quelques photos, faire le rush, trier nos vidéos, nos rush. Et puis là pour l'instant on va acheter un petit sandwich pour le train. Voilà, on va acheter un petit sandwich parce que même si on vient de manger, je vais avoir faim dans le train, et dans le train j'achète pas, c'est des gros voleurs. C'est pas un chocolat, tu payes 5 euros, tu fais un croc 1 euro, c'est pas bon. Hop, 1 euro. Hop, 1 euro. Bon bah apparemment le train vient juste d'arriver et tout le monde se précipite en fait. À peine arrivé dans le train, on fout le bordel. Ça y est, on est arrivé à Perpignan, arrivé chez nous. Il est 23h30. Je pense qu'on va aller dormir, on va finir ce vlog. Dis-moi ce que tu penses de ce vlog, dis-moi si tu veux qu'on en fasse plus. Et je te dis à la prochaine, abonne-toi, mets un petit j'aime, commente, allez. Peace.